Salut les Padawan, aujourd'hui une présentation d'un atomiseur plutôt sympa, le Cubis Pro de chez Joytech. Alors, il se présente comme ceci. Donc, il est livré avec un drip type de rechange. C'était le noir qui était là et un drip type standard de ce type-là qui était là, qui était monté dessus. Donc moi j'ai mis le noir. Le noir il est pas mal parce qu'il a un système anti-retour de jus dans la bouche. Alors l'atomiseur il se présente comme ça. Je vais faire un petit zoom. Voilà. Donc un atomiseur avec deux airflow. Top pas mal. Assez gros. Le design est sympa, une bonne contenance. Le système de remplissage par le haut, donc comme ceci. On prend, donc on maintient au niveau de l'airflow, parce que sinon on dévisse l'ensemble. Et on dévisse que le haut, le cap. Ici, on a deux trous assez conséquents pour remplir son liquide. Pratique. Les deux petits trous. C'est l'arrivée de l'airflow, donc surtout pas mettre du liquide dedans. Voilà, donc il est assez pratique à remplir. On va le poser ici. Ensuite, il est livré donc avec 4 résistances. Ce qui est plutôt pas mal pour un petit chloromiseur. Pas très cher, je crois qu'il tourne aux alentours de 30 euros. Donc résistance, il y a 4 résistances et deux petits joints de rechange. Ça c'est pas mal aussi. Donc, voilà, je vais ranger les petits joints dans la boîte. Donc les résistances, à savoir qu'on a une notch coil de 0,25 ohm pour du sub-ohm. Une BFSS 316 de 0,5 ohm, sub-ohm aussi, qui permet d'être utilisée en contrôle température. Une LVC Clapton de 1,5 ohm, donc avec un système voilà, de réglage d'arrivée de jus, donc une petite valve. Donc, si vous avez du jus assez concentré en VG, vous ouvrez à fond la valve. Si votre jus au contraire est très liquide, vous fermez un petit peu la valve. Ensuite, il y a une résistance QCS, Quick Change System. Alors, je ne sais pas où je l'ai mise. Donc, qui permet de changer soi-même le coton dedans, donc de l'utiliser plus longtemps. Voilà, c'est livré avec une petite notice et donc un petit peu de coton. Voilà pour la résistance Quick Change System. Ici, on a un petit tableau avec un comparatif des différentes résistances qui existent. Donc là, vous avez déjà quatre résistances différentes qui sont plutôt pas mal. Alors, certains ont signalé des résistances qui avaient un mauvais rendu, du jus qui fuit, etc. Donc, surtout si vous tombez, il y a une mauvaise série en fait. Si vous tombez sur ce type de résistance qui fonctionne mal, ne soyez pas dégoûté du Joytech Cubis Pro. Il suffit d'aller en acheter une autre. Et voilà, c'était juste une mauvaise série. Si vous tombez sur une autre série, ça marchera très très bien. Donc, moi, j'en ai acheté une en un ohm. Ce qui est plutôt pas mal aussi par Joytech, c'est que sur chaque résistance, alors je ne sais pas si on verra ici la mise au point, c'est vraiment un petit. Non, on voit rien. Non, je ne fais pas la mise au point. C'est trop loin. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que sur chaque résistance, Joytech a indiqué l'intensité et les watts préconisés pour l'utilisation. Donc par exemple là, un ohm MTL, il dit d'utiliser entre 10 et 25 watts. À savoir la 0,25, ils disent de l'utiliser, je crois, entre 30 et 70 watts.
et la 4 tonnes comme ceci. Donc voilà, en résumé, c'est un bon atomiseur, pas cher, fonctionne bien, un choix de résistance assez conséquent qui permet vraiment à chacun de trouver son type de vape en sub-ohm ou avec le Clapton 1,5 ohm. Tout ça, on n'est pas obligé de descendre en sub-ohm, on peut l'utiliser voilà, en aspiration indirecte. Et ensuite, il fonctionne super bien. Voilà. Alors, je vais le monter sur ma box. Voilà. J'ai du jus dedans, j'ai mis du Red Aster. Je change le mode de ma box, puisque là j'étais en mode contrôle température pour NI200. Donc là j'ai mis une résistance, je vais mettre en mode wattage, mais je pourrais l'utiliser en mode contrôle température, puisque c'est une résistance en SS316. Et là pour l'essai, je vais mettre en mode wattage. Donc celle que j'avais dedans, voilà, il conseille de l'utiliser entre 15 et 30 watts. Donc on va la mettre en 22 watts. Voilà. Alors là, comme j'avais revissé le truc, je vais voir un petit peu. Voilà, ça fonctionne super bien, un bon rendu des saveurs là. Voilà, donc je la conseille. Cubis Pro de chez Joytech, pas cher, assez polyvalente, un bon choix de résistance, facile d'utilisation, remplissage par le haut. Voilà. À bientôt les Padawans, n'hésitez pas à liker et à partager les vidéos. Et je vous dis à la prochaine, à bientôt.